reborn. Chaos reborn. Wow. Ce que Christian Ronaldo vient de faire. Ha. Ça, c'est extraordinaire. Bonjour, les frères et sœurs, bienvenue sur Scoobon. Nous nous retrouvons pour une vidéo audio comme vraiment. Ha. Comme je laisse à vous dire. Mais comment c'est possible? Comment as-tu pu faire ça? En tout cas, quelqu'un a perdu 2 milliards. On voit ça. Asseyez-vous bien. Prenez votre natte et asseyez-vous. Vous allez voir un truc extraordinaire. Regardez ici, regardez ici, regardez ici, regardez ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? Regardez. Là, on voit Cristiano Ronaldo. Et il a le regard vers quelque chose. What? Vers quoi? Où est-ce passé? Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. Il est là. Regardez. Il a le regard vers quelque chose. Mais quelle chose au juste? Regardez vraiment, vraiment, vraiment bien ça. Est-ce que vous voyez? Ses yeux, vraiment, ses yeux regardent ici, là, là. Et qu'est-ce que vous voyez ici? On voit 3 bouteilles. Une bouteille d'eau et 2 bouteilles de Coca-Cola. Et regardez comment il était de regarder le truc attentivement. Comme s'il avait des problèmes avec ça. Regardez très bien. Contre toute attente, il va faire un truc qui va vraiment vous surprendre. Et regardez. Vous voyez, étant assis déjà, il a encore du mal à bien se tenir à cause de quelque chose qu'il voit sur la table. À un moment donné, il va se dire Joe, tout c'est trop, il faut qu'il fasse quelque chose. Et regardez ce qu'il va faire. Il va prendre les 2 bouteilles de Coca-Cola. Mais c'est pourquoi? Est-ce qu'il va les boire? Alors je peux le voir. Regardez. Il enlève la première bouteille. Puis la deuxième bouteille. Là, il n'y a plus de bouteille de Coca-Cola sur sa table. En fait, devant lui. Est-ce qu'il a donné au voisin? Bon, on ne sait pas. Mais regardez ce qu'il va faire. Ça va vous donner une réponse. Hein? What? Regardez bien ce qu'il va faire. Hein? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Il n'y a pas de Coca-Cola. La bouteille d'eau. Il se lève la bouteille d'eau. Jean vous dit. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Pas de Coca-Cola. C'est ça là qui est bon, la bouteille d'eau. Hein? Cette affaire a fait le tour du monde jusqu'à ce que je me trouve ici. Quand j'ai eu ça, j'ai dit vraiment, Dieu ne me ment pas. Ouais. Dieu ne me ment pas. Ah! Les gens disent que en fait, que Cristiano Ronaldo a un problème avec la boisson gazeuse. Ok, c'est extraordinaire. Mais moi, je vous dis que Dieu ne me ment pas. Non. J'ai déjà vécu ce qu'on appelle l'empoisonnement par la nourriture. Et comment Dieu a délivré quelqu'un de cela. Ça fait que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je contrôle tout ce qui rentre dans ma bouche, en fait, dans mon ventre. Si je mange quelque chose et l'Esprit de Dieu ne valide pas, je vais vomir. Automatiquement, je vais identifier cette chose comme quelque chose de vraiment très dangereux pour la santé. Et parmi les choses que j'ai identifiées là, il y a aussi, malheureusement, le Coca-Cola. L'Esprit de Dieu n'a pas validé ça. J'ai cru que c'est de la blague. J'ai testé la bouteille de Fanta. L'Esprit de Dieu en moi n'a pas validé cela.
J'ai cru que c'était des histoires. J'ai testé tout et tout et tout, tout. Même la dernière boisson que j'ai bu, hein, c'est le Sprite. Et je me suis dit que bon, peut-être que comme le Coca-Cola et le Fanta, ce sont des boissons et où il y a beaucoup de couleurs là-dedans, je vais prendre quelque chose de vraiment clair comme de l'eau. J'ai pris la bouteille de Sprite, mais ça n'a pas marché. Et tout ce que j'ai comme boisson, moi aussi, c'est de l'eau. De l'eau. Et depuis que je bois de l'eau, je me sens vraiment à l'aise dans mon corps, à l'aise dans ma peau. C'est en ce moment que je me suis dit que vraiment, Coca-Cola, vous allez m'excuser, mais mon corps refuse ce poisson. Mon corps refuse tout. Et j'étais là tranquillement lorsque j'ai vu cette vidéo. Et quand je l'ai vu, franchement, je me suis dit, ah, ça confirme tout ce que Dieu m'a dit alors. Mais là, Dieu veut vraiment aider les gens. Dieu veut vraiment aider les gens. Parce que, regardez, ça s'est fait des fois le monde entier. Beaucoup de personnes ont vu ça. Aïe, aïe, aïe. Et les gens ont compris qu'il y avait un problème avec cette boisson. Même si certaines personnes n'osent pas le dire. Vous voyez, non. Le monsieur refuse de boire l'eau du Coca-Cola, cette boisson gazeuse. Et il préfère de l'eau pure, de l'eau du Saint-Esprit. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que le monsieur, vraiment, il contrôle ce qui entre dans son corps et même dans le corps de sa famille. Il encourage ses proches à ne pas boire de l'eau, de la boisson gazeuse. En fait, tout ce qui peut nuire à leur santé, Jean, il lutte contre cela maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Ouais, parce qu'il a vu. S'il boit ces choses, elle pourrait le rendre dangereux. Il aime le boire, il aime se mettre zo. Il aime se mettre bien. Mais là où ça va, là, il a dit non, c'est pas possible. Il a son témoignage à rendre. Il ne peut pas entrer dans les détails. Mais pour faire juste vous montrer ça. Et c'était un réflexe, c'est venu juste comme ça. Il a fait juste comme ça. Sans savoir que ça aurait des impacts sur les ventes de Coca-Cola. C'est l'information que j'ai vue. Apparemment, Coca-Cola a perdu plus de 4 milliards dans cette affaire. Juste en quelques secondes, ça fait combien de secondes? Regardez bien. Regardez. Juste en quelques secondes, il a fait perdre 4 millions au moins à Coca-Cola. Selon les informations que j'ai reçues. Aïe, aïe, aïe. Entre l'argent et la santé, qu'est-ce qui est mieux? Vraiment. Des gens peuvent vous contacter pour vous dire, oh, écoutez, venez présenter tel produit à vos abonnés. Quand vous êtes suivi, on aime vos vidéos, on aime ce que vous faites. Mais si c'est qu'ils viennent vous donner la voix, pour que vous présentez aux gens, c'est une chose dangereuse. Est-ce que vous allez le faire parce qu'il y a l'argent en jeu? Vraiment, que tu m'épargnes ça, que tu m'épargnes cela. Mes frères et soeurs, je ne peux pas vous présenter quelque chose de mauvais. Non, c'est pas possible. Tout est possible, mais ça, c'est pas possible. Je ferai tout ce qui est possible pour rester sur le droit chemin. Que Dieu m'aide aussi, que Dieu m'aide. Priez pour moi, mes frères, priez pour moi, mes soeurs. Ce que je viens de vous montrer là,
C'est pour votre santé, c'est pour être bien. Si vous buvez 3 tonnes de Coca-Cola par jour, pardonnez, commencez à baisser un peu. Commencez à baisser un peu. C'est commencer à baisser un peu. Même si vous descendez jusqu'à une bouteille, c'est mieux. Sinon, de l'eau serait très bon. L'esprit que vous avez en vous, là, c'est un esprit qui est naturel. Et l'esprit de Dieu qui est en vous est un esprit naturel qui accepte tout ce qui est naturel en dehors comme en dedans. En dehors comme en dedans. Les tchatchos, là. Les gens qui se tchatchos, qui se dépigment, qui se pommadent matin, midi et soir. L'esprit de Dieu ne peut pas accepter ça. Ça, je vous le dis. Ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui existent que l'esprit de Dieu ne peut pas accepter ça. La tchatcholie, la dépigmentation. Même les garçons sont dans ça. Les pasteurs sont dans ça. Tout le monde est dans ça. Ah, tout le monde est devenu clair. Ah, moi, je suis noir, est-ce que je me plains? Moi, je suis noir, est-ce que je me plains? Ouais. L'être humain aujourd'hui suit ses propres voies, sans savoir qu'il va tout droit vers la mort. Ha! Arrêtez de boire n'importe quoi. L'Esprit de Dieu se nourrit de ce qui entre dans le corps aussi, qui est pur comme de l'eau pure. De l'eau. De l'eau. Les gens fabriquent tout et n'importe quoi et vous donnent, vous buvez. Comme c'est la mode, vous buvez. Des gens vont dire, oh, testa, master, testa, testa, a bu cette chose, c'est que c'est une bonne chose, donc je suis là. Mes frères et sœurs, vous dire en même temps, faites attention. Faites grave attention. Suivez bien ce qu'il va vous dire. Écoutez-moi très bien. Si un produit vient de sortir, ne courez pas tout de suite pour aller tester le produit. Ne suivez pas le monde, ne suivez pas le monde pour aller tester le produit. Attendez un moment. Attendez un temps. Que les gens eux-mêmes, les curieux eux-mêmes, aient testé. Et puis que vous ayez vu les effets secondaires avant d'aller acheter le produit. Laissez les gens tester. Quand vous finissez de faire le test, vous allez voir les faiblesses du produit avant de l'acheter. C'est comme un nouveau smartphone qui vient de sortir. Le smartphone dit que oh, le portable est dangereux. Tout le monde veut le portable. Mais, ah! Chaque technologie, chaque chose que les gens inventent là, a des défauts, des inconvénients, le point négatif. Est-ce que le point négatif là, ça va t'arranger? Si le point négatif ne va pas t'arranger, mon ami, n'investis pas là-dedans. Et pour pouvoir découvrir ce point négatif, il faut du temps. Il faut vraiment du temps. C'est pourquoi on dit que seul le temps va te conseiller. Ouais. Le temps va te conseiller. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas des enfants. Je ne peux pas vous guider sur ce que vous devez manger, sur ce que vous devez faire, ce que vous devez ne pas faire. Moi, je peux faire juste pour vous dire, mes frères et sœurs, vraiment, la vérité est que le Saint-Esprit qui est en vous aime les choses naturelles. Vous-même, là, soyez naturel. Et voilà, les filles là dehors, elles ont plein de mèches sur la tête, on ne sait pas où c'est, elles vont en bourse ou bien, je ne sais pas quoi. Des mèches, toutes leurs couleurs. Moi, je sais que j'ai dit, mais ah, tu vois, les filles là, elles ont plein de maquillage, plein de peintures, ses lèvres. Quand un homme vient leur donner une bise seulement, toute la peinture là reste sur sa bouche, sur son visage aussi. Et les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas aussi. Toi, pour vous, c'est normal. Votre peau est en train de souffrir. Votre peau est en train de souffrir. C'est à cause de ce genre de choses-là. Les non-jeunes petites sœurs là vieillissent vite. Vous vieillissez vite parce que vous refusez d'être naturel.
Plus vous utilisez des choses artificielles, le Saint-Esprit en vous, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en vous là, devient faible. Et physiquement, ça aura des répercussions sur vous, sur votre physique. Ça, vous n'êtes pas au courant. Ouais, je suis le plus grand soulard du pays. Je suis le plus grand soulard du quartier. Tout le monde me connaît. Ouais, c'est mon nom. Même quand je bois l'eau, je suis saoulé. Hey, toi, c'est ton travail. Tu es soulard? Faites attention, mes frères. C'est pas de la blague. Il faut préserver votre vie. Et si le monsieur là, il boit de l'eau simple comme ça toute sa vie, c'est sûr que le monsieur vraiment va vivre longtemps. Oui, pour voir ses enfants et les enfants de ses enfants. Ce n'est pas. Vivre longtemps, ce n'est pas un secret. Pour vivre longtemps, c'est vrai, il faut faire certaines choses, mais il faut aussi être naturel. Plus vous êtes naturel, plus vous vivez longtemps. Parce que la longue vie, là, elle-même, là, elle est naturelle. C'est le fait de la nature. Ah! Vraiment, mes frères et sœurs, moi, je ne peux pas vous donner de mauvais conseils. Faites un effort, mes sœurs, surtout les femmes, faites un effort pour rester naturel. Les gens veulent aller se faire changer les seins, les fesses, tout ça, c'est par rapport à quoi? Non, c'est par rapport au regard des gens, il faut que les gens me regardent comme ça. Et vraiment, le but, c'est quoi? Le but de votre vie, c'est quoi? Le but de votre vie, c'est quoi? Quel est le but de votre vie? Quelle est la raison de votre existence? Les seins d'une femme, c'est appelé à tomber un jour. L'homme, il a appelé à vieillir un jour. Qui vous a dit que vous allez rester comme ça jusqu'à. Le monde change. Être âgé, avoir 60 ans, 70 ans, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une malédiction. Pourquoi vous refusez de vieillir? Pourquoi vous refusez d'avoir les cheveux blancs? Vous voyez, les femmes, là, elles vont acheter des produits hein, pour se les mettre sur leurs cheveux. Dès qu'elles voient petits cheveux blancs qui poussent sur la tête en même temps. Oh, c'est le diable! Le diable, tu sais quoi ici? Le diable! Dans tes cheveux blancs, c'est le diable! Que Dieu te punisse! Que tu vas pas toi? Hey! La vie, c'est une bénédiction. Mes frères, soyez vraiment naturels. Regardez ça encore, regardez ça. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous et soyez bon, Seigneur. C'est parti.